Nous allons découvrir ensemble tous les bienfaits du ramadan sur la santé. Mais avant tout, qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne est sans doute l'une des plus anciennes approches d'auto-guérison. On s'aperçoit même dans la nature que les animaux cessent instinctivement de manger lorsqu'ils sont malades ou blessés. Tout cela pour montrer les bienfaits de cette pratique. Le ramadan consiste à s'abstenir de tout aliment solide et liquide pendant une période donnée. Comme le disait une célèbre citation arabe, l'estomac est le lieu de toutes les maladies, et la diète est le pilier de tous les remèdes. Le ramadan contribue à faire un grand nettoyage, ou donnerait au corps des conditions optimales de guérison. Il n'y a plus d'efforts digestifs, mécaniques, sécrétoires ou nerveux. L'organisme économise donc beaucoup d'énergie. Et cette énergie sera utilisée pour les réfections tissulaires, toutes les purifications et la destruction des tissus et cellules malades. En naturopathie, le jeûne est vivement conseillé, car il permet de mettre au repos l'organisme et contribuerait à éviter un grand nombre de problèmes métaboliques. Socrate et Platon, grands philosophes grecs, conseillaient le jeûne pour obtenir et maintenir un bon état physique et mental. Ils observaient régulièrement des jeûnes de 10 jours. De même, Pythagore, grand mathématicien et grand physicien, demandait à ses futurs élèves de jeûner pendant 40 jours avant de les accepter dans son école. À travers ces exemples, nous pouvons dire que les bienfaits du jeûne sont connus depuis la nuit des temps. اللهم بلغنا رمضان